Vous savez que dans le couloir, nous avons installé, et nous n'avons pas fait un concours, parce qu'au démarrage, c'était l'idée de faire un concours de prix manuel. Mais les objets présentés sont tellement différents, tellement agréables aussi. Je dis, ils n'ont pas de concurrence. On va tous les prendre pour ce qu'ils ont fait de leur boulot et de leurs mains. Il y a un œuf en chocolat. C'est le club de Pierre, dans la vallée. De Croissy-Beaubourg, pardon. Et il y a Évry, Jean-François Missou. Il y a également la nuit, avec quelque chose qu'on n'aurait pas pu transporter, mais parce que c'est une espèce de clocher de 10 mètres de haut, 10 mètres de large. Mais chacun ayant œuvré de façon manuelle. Et me rappelle que le Rotary, c'est aussi, là on a parlé d'action, mais c'est aussi le côté important. Nous sommes des professionnels. Nous sommes tous au moins des anciens professionnels. Et donc nous avons tous à un moment œuvré. Et ce plaisir de récompenser les gens qui, de leurs mains, ont su faire des choses, eh bien c'est un... Pour moi, ça a été un grand plaisir de dire qu'ils sont sur la bonne... N'oubliez pas nos 1905 et nos copains qui nous ont créés. S'ils sont là-haut, ben, ils doivent se dire qu'ils ne sont pas trop mauvais, les Français, puisqu'ils pensent encore à du professionnel et au manuel. Donc Patrick a amené quelques prix, mais qui ne sont pas des prix, ce sont des récompenses, purement et simplement. Hein. Et pour tout vous dire, nous avons également fait un concours d'expression orale. J'avais proposé à plusieurs clubs de m'envoyer, mais certains avaient déjà fait, ou etc. Donc nous avons fait un concours d'expression orale relativement limité. Mais avec un plaisir, les professeurs ne voulaient pas repartir. Nous nous en restons une question, ce qui fait que pendant une heure et un quart, nous avons présenté le Rotary à des gens qui ne connaissaient pas. Et ça, c'est important. C'est pas le côté jeune qui était le plus important, c'était de présenter nos actions et leur dire bah, la porte est ouverte, ici vous avez besoin, si vous voulez faire des choses, interrogez-nous, nous avons probablement la clé qui va bien pour mettre dans la bonne serrure. Et c'est ça qui est important. Alors, mon année se finit. Oui, mais on fait la pause, le temps de se repentir un peu. Et se rafraîchir. Juste avant, je vais vous demander de sortir par la porte arrière, puisque comme l'a dit Pierre, il y a des jolies choses à voir. Et puis, on a mis à l'honneur les clubs qui ont beaucoup contribué pour Shelter Box. Ils ont des diplômes qui les attendent. Et puis peut-être qu'on pourra peut-être prendre des photos avec ceux qui ont eu les PHF, ceux qui ont eu le diplôme Shelter Box. Donc voilà, on vous appellera peut-être au micro à la fin de la pause.